Rencontre avec Karima Charny. Depuis 9 ans, Karima illumine chacune de ses prestations. De la Starac à l'animation, la jeune femme réalise les rêves de son enfance. C'est plus qu'un rêve de réaliser. Enfin, je me souviens très très bien de la petite Karima à Reims devant sa télé qui regardait Fan 2, qui regardait Hit Machine et qui se disait « Mon Dieu, j'ai tellement envie de faire ça !» Dis-moi encore que je compte plus que tout au monde. Et plusieurs années, et des années plus tard, W9 me confie Fan de Star, qui est le dérivé de Fan 2 à la suite, et je me retrouve à animer des gros plateaux avec plein d'artistes, avec plein de publics, et c'est juste génial. Donc je vis continue. Mon travail est un rêve éveillé, ça c'est sûr. Je pense que ça se voit à mon sourire que je mens pas. Non, j'ai énormément de chance et je savoure la chance que j'ai tous les jours. Tous les soirs. 20h. 23h. Levin Fun. J'ai commencé la radio le 19 août sur Fun Radio dans Lovin' Fun avec le doc Christian Spitz qui fait son grand retour, Karel, mon acolyte. C'est génial, c'est fou. Je pense que ce qui est très rigolo cette année en radio, c'est qu'on est plein de télés à arriver. Je pense à Christophe Beaugrand qui arrivait le matin, Bruno Guillon qui est toujours là le matin mais qui est également sur France 2, Enora. Cartman qui lui est passé de la radio à la télé, donc c'est assez rigolo. La nouvelle génération est en train d'arriver et peut-être que par rapport à avant, et c'est peut-être là où on se rapproche, et Nora et moi, c'est, je pense qu'on est plus naturel, on est comme on est, autant en télé ou en radio, de ce que j'ai entendu en tout cas, on est comme on est dans la vie. Et c'est peut-être ce qui nous change des générations d'avant, peut-être. Ma sœur Edia est ma manageuse depuis 9 ans maintenant. Elle a toujours eu des propositions pour bosser en télé. C'est quelque chose qui lui plaît, elle adore ça. Mais elle avait envie, comme toutes les grandes sœurs, en fait, d'aider, de soulever la petite d'abord et puis après de voir ses envies. Et un jour, je lui ai dit « Non, si t'en as envie, t'y vas, tu cours. » Et elle est très douée pour ça et elle n'a jamais eu besoin de mon aide pour arriver dans là où elle est, c'est-à-dire chez MTV, contrairement à ce que les mauvaises langues ont pu dire. Je n'y suis pour rien, c'est son boulot, c'est son talent qui en tout fait. Là, récemment, elle a animé les MTV Music Awards à New York, au Brooklyn Center. J'étais derrière elle, mais telle une petite sœur qui était en train de soutenir sa sœur, pas comme une animatrice. Après, quand elle me demande... De regarder ces plateaux, ces textes, je le fais avec grand plaisir. Et pendant que je suis en train de vous parler, il y a ma sœur qui est arrivée. Itia, je te la vole, Guillaume, je te la vole. Viens. Voilà, on parlait d'elle il y a une seconde, et quand je vous dis qu'elle est animatrice, mais aussi manageuse, c'est vrai, puisqu'elle est là aussi pour me soutenir pendant les conférences de presse. Comment ça va? Ça fait quoi de soutenir sa petite sœur pendant les conférences de presse? Et c'est plutôt pas mal. En plus, j'ai vu des charmants garçons, des pop-up girls et des joueurs de. T'as vu Apollon? Oui, Apollon, j'ai adoré. J'ai pris son numéro à Apollon. Voilà. Elle nous a comparé à la famille Kardashian. Avec un cerveau. On n'a pas les mêmes physiques. On n'a pas le même physique, mais surtout on a un cerveau. Mais j'espère qu'on aura le même empire. Oh, ça. On verra. La suite au prochain épisode. Ouais, mais bon, je te laisse travailler. Non. D'accord. Bisous. Comment je m'en sors de cette question? Forcément. On pense à des trucs, voilà. Mais pour l'instant, je me concentre sur cette saison 2013-2014 qui va être très très riche, forte en émotions, et j'ai hâte de retrouver les gens parce que c'est tout ce que j'aime.